coup, le domaine de la robotique. Et puis, une entreprise innovante. Le choix de la marque Elis s'est présenté à nous parce qu'il y avait un très bon SAV et une fiabilité sur les robots très bonne. La marque Elis, principalement pour le SAV, qui était proche de chez nous. Et puis, service 24 sur 24, 7 sur 7. Et puis après, par rapport aux performances du robot, que ce soit au niveau rapidité de branchement, et puis qualité de la production, qualité du lait, les kilos de lait par vache, et puis la fréquentation des animaux au robot. Les deux robots nous ont permis de nous réorganiser dans le travail. Ça nous a donné beaucoup plus de souplesse dans le travail qu'avec le système salle de traite d'avant, qui était en plus sous-dimensionné. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à passer beaucoup plus de temps sur toute la partie informatique et analyser les résultats, ce qui va pas, et donc s'améliorer techniquement en continu. Lely Astronaute nous a apporté une souplesse dans l'organisation du travail au quotidien. Donc avec le fait de ne pas avoir une astreinte importante le soir et le matin, c'est un plus pour la gestion du personnel. Et on étale notre travail dans la journée comme on le veut. Et on a aussi une grande quantité d'informations disponibles pour gérer au mieux le troupeau. Ce qu'on a vu, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'au niveau du temps de travail, on a beaucoup plus de flexibilité. Une personne tout seul peut gérer l'élevage, notamment les week-ends. Et puis également, les performances ont été au rendez-vous, performances en lait et en qualité du lait. Aujourd'hui, on fait plus d'un million sept, et sans avoir plus de vaches qu'auparavant. Pour réussir à faire le maximum de matière utile par vache, il faut avoir un troupeau en bonne santé. Donc en fait, au quotidien, s'assurer d'une bonne alimentation et de surveiller l'état général du troupeau pour que santé des pattes, repro, que tous ces éléments-là soient au top. Donc, l'avantage, c'est donc d'avoir du lait. Et nous ici, donc on a du taux au niveau de ce lait. Et l'avantage, donc, c'est aussi d'avoir pas mal de robots qui permettent donc d'avoir des robots moins chargés, donc plus de passages. Ici, donc, on est à 3 passages de moyenne par vache, ce qui permet donc plus de stimulation et l'avantage des vaches dans la production. Top Boost LM, en fait, il regarde ce qu'ils appellent la mule, donc il prend en compte la production de lait par vache et les taux, qui donnent une matière utile, en fait, niveau des animaux. Donc voilà, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Ça montre un peu les performances du troupeau au niveau technique. Après, ce qui pourrait être rajouté, c'est peut-être la marge par vache, notamment marge sur coût alimentaire, qui manque un peu pour